tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo cartonnage pour que vous puissiez voir l'avancement de mon cartonnage que je fais actuellement. Donc, bon, j'ai bien avancé quand même. Là, je vais tomber en panne de carton, donc j'attends ma commande qui va arriver incessamment sous peu dans la semaine, ou fin de semaine plutôt, qui me permettra de continuer les étages, et c'est surtout pour les autres commodes, puisque j'ai 3 commodes à faire. Là, pour celle-là, ça devrait aller normalement, à part il me manquera peut-être une planche à faire, mais bon, ça devrait aller. Là, je vais vous laisser visionner cette petite vidéo, voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en barre d'infos, en dessous de la barre d'infos, comme d'habitude, j'y répondrai avec plaisir, sauf à une question que je ne répondrai pas, mais vous devinez laquelle, les mesures de la commode. Je ne les donnerai pas, je vous l'ai déjà dit, parce que comme c'est une création perso, je ne vous donne pas mes mesures. Voilà. je vais vous laisser visionner la vidéo et pendant la vidéo, on va se retrouver un petit peu et on va se retrouver également à la fin de la vidéo. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. À tout à l'heure. Bisous.
je vous montre où j'en suis arrivée pour l'instant. Voilà. Je vous ai pas montré comment j'ai monté ces étagères déjà, mais bon, je vais vous le montrer par la suite. Donc là, c'était en mode séchage. Je peux retirer ça. Donc là, ce sont les supports à tiroirs qui sont montés. 1, 2, 3. Il y en a déjà 3 qui sont montés. Le quatrième est ici. Il va y avoir le cinquième et le sixième qui va être monté. Là, mes fameux dictionnaires qui me servent pour bien tenir pendant le séchage. Voilà. Et ici, ce sera, il y aura 3 grands tiroirs. Voilà. Donc là, j'ai pas terminé non plus. Il va y avoir le fond, pareil, la base. La deuxième base va arriver ici. Voilà. Donc, pour l'instant, là, je vais continuer. Alors, je vais pouvoir faire encore un plancher ici et je vais être en panne de carton. Je vous explique pourquoi. Parce que bon, d'habitude je ne fais pas des aussi grandes commodes. C'est vraiment ma plus grande, mon plus grand modèle que j'ai fait depuis que j'en fais. Et d'habitude je fais toujours avec une seule plaque en plancher parce que ça suffit, mais là comme la surface est vraiment très très grande, je me suis aperçue qu'en ne faisant qu'une seule plaque, ça allait gondoler dans le temps, peut-être pas tout de suite mais dans le temps, et puis suivant ce que la personne va mettre dans ses tiroirs, ça allait gondoler. Donc, j'ai choisi de mettre en double. Donc, toutes mes plaques sont doublées. Là, les planchers. Les côtés sont doublés également. Pour qu'il y ait plus de... Comment ? Plus de soutien au niveau du plancher. Donc, sur les côtés et dans le fond. Puisque dans le fond, il y a également une plaque pour soutenir, hein, ce qui est normal. Donc tout a été doublé, et ce qui veut dire doublé veut dire double de carton, et du coup je suis tombée en panne de carton. Là il me reste une plaque, donc une plaque, ça va me terminer ici le plancher, et ça va me terminer les côtés de là. Voilà. Là, je vais pouvoir faire aussi. J'ai encore un carton pour faire là. Et après, ben, c'est fini. Je tombe en panne. Donc là, je vais passer la commande de carton. Il faut que j'attende une petite semaine pour les recevoir. Donc, c'est pas grave. Je vais pas rester sans travail en attendant. Puisque vous voyez là, en dessous, je sais pas ce que vous voyez. Voilà. Vous voyez, il y a des cartons ici, des plaques. Là. Là, c'est mes coffrages pour les deux autres commodes, puisqu'il y a 3 commodes en tout, comme ceci, exactement les mêmes. Donc, en attendant de recevoir mes autres cartons, je vais construire les coffrages des deux autres commodes. Voilà, comme ça, je ne reste pas sans travailler, en me tournant les pouces. Là. Ça, c'est le fond qui va aller là-bas. Il était en train de sécher. Donc, vous voyez, j'avais mis les pinces et je suis deg. Vous voyez, ces petites pinces. Je les avais eu action. Bon, j'en ai déjà beaucoup. Hein. Voilà, j'ai toute une boîte. Voilà, j'ai toute une boîte. Je pensais qu'action en avait encore. Bon, ça fait un moment que je les ai. Mais ils n'en font plus. C'est vraiment dommage, j'en voulais plus du coup, mais ils les ont plus. Alors c'est, voyez, c'est des petites pinces comme ça,
et elles étaient superbes en cartonnage. Voilà, j'en ai quoi, une trentaine, 30, ouais, je crois, 30, 40. Mais j'aurais voulu en reprendre plus. Mais ils n'en ont plus. J'ai aussi mes Dexter. C'est celle-là. Elles vont super bien aussi. Mes Dexter me servent bien là, voilà, quand c'est pour tenir les. Ben, sur les côtés par exemple. Mais quand c'est pour faire des petites surfaces comme ça, je préfère mes petites pinces. Donc voilà. Donc celle-là, je vais terminer là, le plancher ici, les petits côtés. Je vais faire le plancher ici. Je vais voir si je peux faire les côtés là, avec le carton qu'il me reste. J'ai regardé dans mes chutes, puisque j'ai des chutes de tous mes autres cartonnages, mais j'en ai plus, j'ai plus de 3 mm. Donc, là, tant pis, hein, on va attendre les autres cartons. Du coup, il me faut une quinzaine de plaques. c'est pas rien. Mais bon. Donc là, je vais refaire un plancher avec vous. Je vais faire le fond, donc le fond va venir ici, voilà, comme ça. Je vais m'occuper du plancher et puis on va continuer avec ce qu'on a pour l'instant. Voilà, allez, à tout de suite.
le plancher de cette, du grand tiroir, enfin grand petit tiroir, est fait. Maintenant, on va attendre que ça sèche. Les côtés pour le prochain ici sont faits. Le plancher également est fait. Il est en attente de séchage et d'être aplati. C'est pour ça que j'ai mis des dictionnaires dessus. Vous avez vu, j'ai enlevé les pinces, j'ai changé, j'avais mis les pinces. Je sais pas pourquoi. C'était une erreur de ma part. Donc maintenant, je vais laisser sécher tout ça. Et là, je vais recouvrir de tissu, bien sûr. Recouvrir de tissu le plancher. Continuer à monter ici avec le carton qui me reste. Là, il me reste un petit peu de carton, donc je vais pouvoir continuer à monter les petits tiroirs. Et attendre donc mes... Vous ne voyez pas. attendre mes prochains, ma prochaine livraison de carton. Mais en attendant, je vais monter les structures des deux autres, commodes. Voilà. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je vous rappelle, pas de questions sur les mesures. Attention, parce que je ne donnerai pas les mesures puisque c'est une... comment ? C'est perso, c'est une création perso, voilà. Donc, je ne donnerai pas les mesures. Oui, je sais, je suis vilaine, mais que voulez-vous? Sinon, ben, je peux vous répondre à des questions hein, sur le cartonnage, il n'y a pas de problème. Voilà. Là, après, je vais avoir le tissu, fait clochette à mettre. Je vais devoir faire le gainage avant. J'ai pas mal de choses à faire. Et après, il y aura tous les tiroirs à fabriquer. Donc, les tiroirs, en tout, j'en aurai 6, 6, 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. J'aurai 27 tiroirs à construire. Voilà. Bon, ça se fait sur une main. Hein. Mais bon, ça va. Là, je travaille, on va dire, en 2 heures, 2 heures et demie, parce que bon, après mon dos, il me fait coucou. Il dit, il faut arrêter. Et aussi ma main, parce que j'ai de l'arthrite. Donc avec le cutter, vous avez vu, hein, le cutter, c'est pas... je sais que j'ai un cutter électrique, mais pour les petites pièces, ça va pas. Donc, je fais au cutter à la main. Et bon, quand vous avez de l'arthrite dans les mains, au bout d'un moment, bah, ça fait caïque. Donc, j'arrête. Bon, je fais environ 2 heures, 2 heures et demie tous les jours. Enfin, tous les jours, sauf le week-end. Voilà. Mais bon, ça avance. C'est une fois que, de toute façon, une fois que celle-ci sera faite, après ça va aller plus vite. Et le plus long, ça, je pense que ce sera les tiroirs. Parce qu'après, c'est sur les tiroirs, il y a chaque pièce, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cartons à couper. Autant de cartons à gainer. Donc ça fait 12 par tiroir à couper à chaque fois. Donc les 27, vous multipliez par 2, 27, ça fait 54 à couper. Voilà. Et après il y aura le tissu. Là j'ai du gainage aussi à faire sur le devant après. Le gainage sur les côtés. Derrière, après il y aura le dessous à faire. Voilà, bon, il y a encore un petit peu de boulot, hein, on va dire. Mais bon. Voilà.
Là, maintenant, il fait un peu moins chaud, donc ça va. C'est quand il fait très chaud, pour le cartonnage, c'est pas très bon parce que ça se déforme quand il fait très chaud. Donc, c'est là, la température est bonne pour faire du cartonnage. Donc, c'est bien. Allez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Vous aurez une prochaine vidéo de cartonnage. Vous inquiétez pas, vous aurez la suite. Et maintenant, je vais vous faire des gros bisous. Là, je suis complètement pliée. je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Allez, bisous, bisous, à bientôt.